Bon les frérots, je suis pas du tout serein, je sais pas pourquoi j'ai cette idée les mecs. Tu vois, je me suis dit c'est bientôt Halloween, on est dans la période et tout, donc vas-y on va faire des jeux d'horreur. Mais en fait c'est la pire idée que j'ai jamais eue en fait. Vous, vous allez vous marrer, mais moi, est-ce que je vais vraiment me marrer? Les amis, bienvenue pour de nouvelles vidéos, plus folles que jamais. Non, je ne sais pas, mais salut à tous, je regrette déjà à l'instant même où j'ai eu cette idée, je regrette déjà. On se retrouve aujourd'hui pour, oh là là, une nouvelle vidéo sur un jeu d'horreur, un jeu indépendant. Alors, on va faire plusieurs jeux d'horreur pendant cette période-là, donc pendant les semaines et les jours à venir, puisque du coup, on est dans la période d'Halloween. Donc, je me suis dit, pourquoi pas faire des vidéos jeux d'horreur sur ma chaîne YouTube. Alors, âme sensible, s'abstenir, bien sûr, mais sachez que je serai celui qui aura le plus peur, quoi qu'il arrive. Voilà, donc on se retrouve aujourd'hui sur le jeu Rotten Hearth, qui veut dire cœur pourri. Voilà, c'est très glauque. Je veux pas faire ce jeu de merde. J'ai trouvé ce jeu sur Game Jolt. Et rien que le menu, les sons, ça fait trop peur, c'est incroyable. Bref, c'est parti. Vous êtes dans un rêve, ou plutôt dans un cauchemar devrais-je dire, et tu dois te réveiller avant de mourir. Tu dois prendre 8 pages pour te réveiller. Voilà. Est-ce que ça vous est déjà pas arrivé justement ce genre de cauchemar où justement tu arrives pas à te réveiller et t'es bloqué dans ton cauchemar et tu vas mourir dans ton cauchemar? Et ben là on va le vivre en jeu vidéo et j'ai peur. C'est parti. Ok. Ok, alors nous sommes dans une petite salle. Ça a l'air d'être... Oh bah attendez déjà. Oh, oh, on a un piste. Ah bah déjà, bah, ouais, c'est très bien là. Là on se met bien là. Alors attendez. Je peux faire ça. Je regarde un peu les contrôles. Hein. Bon, très bien. Donc il faut trouver 8 pages. On peut pas ouvrir ça? Non. Il faut trouver 8 pages très rapidement, sinon on va mourir. Et c'est très bien fait par contre. Alors je sais pas s'il y a un méchant et tout, hein. Je sais pas comment on va faire pour... si on va se faire attaquer et tout. Alors j'ai récupéré des munitions visiblement. Ah merde, j'ai quitté le jeu, je suis complètement con. Bonjour. Je sais pas c'est quoi, à tout moment je peux me faire attaquer. Attendez, parce que juste la musique elle m'a fait peur, alors je pensais qu'un truc allait me sauter dessus. On peut pas rentrer. Ah, attendez. Une page. Alors c'est un peu comme Slender, hein, visiblement. J'aurais dû lire ce qui était écrit. Attends, on peut pas genre juste se barrer? Ah! Attends, est-ce qu'on peut buter le machin? Ouais. Ok, visiblement c'est des sortes de machins qui nous courent après. Oh bah les frérots, ça m'a fait peur. Mince. On va pas se mentir. Alors, je vois une autre page là-bas. Je vois une autre page. Alors on va vite y aller. Hein? Bon, c'est bien. Alors attends. Hop, voilà. On a 2 pages sur 8. Ok, bon, on sait à peu près c'est quoi qui nous court après. Donc ça, c'est pas mal. Vas-y, viens voir mon pote. Putain, faut lui mettre combien de balles? Beaucoup trop. À mon goût. Je vais plus avoir de munitions, putain. Je vais plus avoir de munitions. Alors où c'est qu'on pourrait trouver des pages? Sur cette bagnole, il y en a forcément une. Hein. Comme Slender, c'est obligé. Ah! De la santé. Qu'est-ce qui se passe? Alors ça fait bien peur. Ah, on peut sauter.
Attendez, ça c'est bon à savoir. Là, des munitions. Oh ouais. Merci mon pote. Oh tu régales. Alors faut bien vérifier les arbres. Hein. Alors est-ce qu'on peut monter en haut? Parce que si on peut monter en haut, je me sentirais safe. Hop, des munitions. Est-ce que je peux monter? Non, je peux pas. Je peux pas et je vois des pages là-bas. Je vois des pages. J'en vois deux là. Donc là, je peux m'en faire quatre. Hop, troisième page. Ah! Non, j'ai quitté le jeu! C'est bon, pardon, excusez-moi. C'est bon, hop, ça m'a fait peur, j'avoue. Là, la quatrième page. Il en faut encore quatre. C'est beaucoup trop. Il en faut encore quatre, c'est beaucoup trop. Oh là là, j'aime pas le machin qui nous poursuit. Ah, il nous poursuit encore en plus. Attends, merde, j'ai un problème de souris. Putain, il se réveille tout le temps. Mais je pense qu'il y en a plusieurs. C'est bon, il est dead. J'ai plus de munitions. Hein. Ah si, j'en ai encore, pardon. Là-dedans, il y a quoi? Une page. C'est tout. C'est très bien. Oh, il y en a de plus en plus. Attendez, là-bas, il y a une boîte. Là-bas, il y a une boîte. Ok, donc à chaque fois qu'on tue un, il y en a un autre qui respawn. Hein. Oh, c'est quoi? Ah, des mines encore, je crois. Oh là là, ça peut venir à tout moment de n'importe où. Il me manque deux pages. Je crois qu'il me manque deux pages. Alors nous, on vient de là. Là, il y a forcément une page. 100%, il y a une page. Yes. Plus que... NON! Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, d'accord, il m'a tapé à travers le mur, le con. Oh, il m'a fait peur. Il me manque plus qu'une page, les frérots. Et je sais pas où elle est. Oh, les mecs, il me manque plus qu'une page. Je suis deg. Je sais pas où elle est. Ça, c'est un truc de ouf. Là, j'ai les 8 pages. C'est bon, là, non? Bah, je les ai, là, non? Bah j'ai les 8 pages. Casse-toi. Ça va, j'ai l'impression qu'à chaque fois il y en a qu'un seul. Là il y en a une là non? Yes. 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 Eh bah alors, you survived. Thanks for playing. Press backspace for menu. Arrête. Mais non. Mais non. Oh là là. Mais what the fuck. Mais c'est exceptionnel. Ok, et eh bah franchement les frérots, je suis super content quoi. Bon, voilà, je vais pas trop faire le malin parce que il faut que je vous avoue quelque chose. Il fut un temps, j'ai essayé de faire une vidéo sur un jeu d'horreur et j'ai jamais réussi à le finir parce qu'il faisait vraiment très très peur. Et là, je suis en train de faire le malin parce que j'ai réussi un petit jeu indépendant assez simple. Waouh, bah c'était simple, mais ça, c'était très angoissant parce que par contre, les bruitages, la musique... L'ambiance était vraiment très oppressante et le fait qu'il y a quelque chose qui te court après, bah ça, bah voilà, ça fait quand même assez peur. Finalement, c'était assez simple, assez rapide et ça s'est bien passé. Je suis très content. Waouh! Eh ben, les frérots, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On va continuer, évidemment, hein, c'est pas encore Halloween. On arrive à la période d'Halloween, donc je vais faire d'autres vidéos sur des jeux d'horreur. Si cela vous intéresse, je vais mettre un sondage juste ici. Voilà, juste ici, vous avez juste à cliquer et vous mettez si vous êtes chaud pour que je continue les vidéos d'horreur ou pas. J'espère que ça vous aura plu. Rendez-vous très vite pour de prochaines vidéos. Un maximum de likes. C'était Mkolo. Ciao tout le monde. Impeccable. Putain, je me sens bien là. Ah, je me sens bien.